Ce soir, on a un invité assez particulier, c'est le frère Samuel Rouvillois. Je lui ai demandé de s'installer et je vais essayer de vous présenter sans raconter de bêtises. Donc, vous êtes frère de Saint-Jean, vous êtes philosophe, théologien et délégué pour le monde de la culture auprès du diocèse d'Avignon. Vous avez créé il y a quelque temps le Parvis d'Avignon pour faire rayonner la culture chrétienne. Et puis surtout, vous êtes connu dans le monde de l'entreprise et du management. Vous intervenez auprès du MEDEF, HEC, sur le management responsable. Voilà. Et ce soir, vous êtes venu nous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Libre ou connecté, on est tous connectés, on a tous un smartphone, enfin la plupart d'entre nous. Et c'est des questions qui nous interrogent. Donc, pour introduire la soirée, on a tourné un micro-trottoir dans le hall de l'ICES, dans la cafétéria. Et ça va permettre d'introduire le sujet et puis de lancer notre intervenant. Donc on va regarder ce micro-trottoir. Bon, pour meubler le temps que la vidéo YouTube se charge. Donc la soirée, c'est pas infaillible. Oui, c'est ça. On va organiser la soirée avec trois séquences qui seront à chaque fois introduites par une vidéo. Je dirais. Allez, 500. Bah, en général, on va plutôt avoir une centaine, voire plus. Après, souvent, quand on en a moins, c'est moins crédible, quoi, suivant l'âge. Après, je pense que ça dépend de l'âge des personnes. Zéro, il faut se désinscrire de Facebook. Je pense qu'il n'y a pas de minimum, parce qu'il y a des gens qui choisissent d'en avoir que 30, mais ce sont des vrais amis. Ah, c'est pas une question de crédibilité. Hein. Ensuite, c'est sûr que quand vous avez 5 amis, ça fait plus compte pédophile qu'autre chose. Jacques, pour un étudiant, en avoir quelques centaines, c'est la norme. Alors personnellement, j'ai à peu près 150 amis sur Facebook et pour moi, ce n'est juste un chiffre parce que je ne les connais pas tous. Enfin, il y en a que je ne côtoie pas forcément tous les jours. Tu as tes amis en vrai et tu les mets sur Facebook et c'est caractéristique de ta vie en fait. Moi, je prends en amis Facebook que ceux que je connais, soit que je connais réellement, soit que je connais un peu, enfin des relations de travail, etc. Maintenant, c'est vrai que je ne considère pas qu'il y a un nombre particulier d'amis à avoir sur Facebook. J'ouvre pas ma porte à n'importe qui non plus. Oui, à condition que l'ICES réponde à la façon dont je me sers de mon téléphone, donc en tant qu'outil. Ce serait très compliqué. J'accepterais, alors pour le boulot c'est compliqué, mais au mois d'août je me suis fait tirer mon iPhone et j'ai été obligé de vivre sans téléphone pendant 15 jours et c'était vraiment pas mal. Je pourrais, mais clairement ce serait peut-être compliqué suivant certains trucs. Quoi. Thérapie sans téléphone, oui pourquoi pas, mais je veux dire sans internet, sans téléphone, non j'en ai quand même besoin au quotidien. Ah bah si toute l'administration de l'ICES fait pareil, je veux bien, mais vu qu'ils nous harcèlent sur Facebook c'est un peu compliqué. Mais ouais, une semaine sans portable ça se tente. Donc pour venir à l'ICES, je viens avec mon véhicule personnel et justement, si toutefois il arrive un problème sur la route, au moins je pourrais contacter des personnes proches si toutefois il y avait un problème. Soi-disant on est libre, mais en fait pas du tout. Moi je me rends compte que Facebook c'est extrêmement chronophage, pour prendre l'exemple de Facebook, puisqu'on parlait de Facebook. On y passe rapidement un quart d'heure, une demi-heure, une heure et on se dit « ah mince ». Là, le temps est passé très très vite et on regarde le fil d'actualité en permanence et c'est vrai que c'est une vraie perte de temps. Alors, la nouvelle technologie, c'est quelque chose de fantastique qui nous donne plein de possibilités, mais c'est vrai que ça change totalement nos modes de fonctionnement et c'est vrai que souvent, en fait, on justifie l'utilisation des réseaux sociaux pour de bonnes choses, en fait, on en fait de mauvaises utilisations. Tout ce qui est banque en ligne, quand on consulte nos comptes ou alors même les trucs d'organisation, ICS, les mails, on en a besoin, quoi. Donc clairement, on est aliéné totalement. Bah ça, c'est la beauté du choix de chacun et de notre capacité à développer des bonnes habitudes. Il y en a qui pensent que Facebook, ça nous empêche, ça nous isole, ça nous empêche de voir nos vrais amis. Et je pense que c'est surtout une extension de notre vie sociale, qu'on poursuit ce qu'on fait dans la vie réelle. On ne peut pas s'en passer, il faut le considérer comme des outils.
Et après, c'est une attitude et il faut réussir à prendre de la hauteur parfois. Pour moi, on est plutôt dépendant de la nouvelle technologie parce que justement, cela nous sert dans la vie de tous les jours, que ce soit pour la vie professionnelle ou la vie personnelle. On est beaucoup plus aliénés, ouais. On est beaucoup plus aliénés dans le sens où voilà, on est vraiment plus en séparé. Maintenant, aujourd'hui, ça traduit exactement nos relations sociales. Voilà, à mon avis, c'est extrêmement difficile de s'en séparer aujourd'hui. Avant de vous donner la parole, frère Samuel, on va regarder une seconde vidéo. Là, on a vu l'impact dans nos vies, dans le quotidien. Et on va regarder de l'autre côté du miroir, du côté de ceux qui font qu'on aime nos écrans. Donc on va regarder une petite vidéo sur Facebook. Control my kids' decisions, which is they're not allowed to use this shit. I feel tremendous guilt. We have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. You don't realize it, but you are being programmed. It was unintentional, but now you got to decide how much you're willing to give up, how much of your intellectual independence. It's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. We curate our lives around this perceived sense of perfection, because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. It's just it's really, really bad. Alors vous voyez bien que la première grande question, c'est de quoi est-ce qu'on parle ? À la fois, l'usage de Facebook, c'est très simple. Hein. Instagram, c'est encore plus simple. Snapchat, si. Et puis quand tout d'un coup, on voit bien d'ailleurs aux réactions des uns des autres. Hein. Puis quand on passe derrière le mur et qu'on voit ceux qui fabriquent ça, alors on oscille entre la fascination et la terreur, si on est honnête. Et souvent, c'est parce que déjà, on n'a pas pris le temps de prendre un peu de recul, de dire de quoi est-ce qu'on parle exactement. Et je me suis dit, j'ai vu une petite liste de mots qu'on utilise les uns pour les autres, alors qu'ils sont tout à fait différents. On parle de digitalisation. Alors, aujourd'hui, le grand mot, c'est l'intelligence numérique. Vous avez remarqué, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le grand mot depuis 3 mois. Toute la France parle de l'intelligence artificielle, alors que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui date des années 90 et qui ressort tout d'un coup. Le deep learning, tout le monde ne parle plus que de ça, c'est la même chose. Tout simplement parce que la conscience que nous avons de l'omniprésence de ces outils franchit un seuil. Donc c'est simplement une prise de conscience. La révolution numérique, c'est un autre mot, elle est derrière nous. Elle n'est pas devant nous, la révolution numérique. Quelle différence y a-t-il entre la révolution numérique, la digitalisation, est-ce que c'est la même chose ? L'intelligence artificielle, la virtualisation, la connectivité, tout ça, ce n'est pas les mêmes choses. Donc j'ai essayé de serrer pour vous. Il y a plusieurs... révolution, j'aime pas le mot de révolution. Il y a plusieurs inventions technologiques et nous sommes à la croisée de ces inventions technologiques, et ce dont on parle aujourd'hui, Facebook, mais le téléphone, c'est pas Facebook. D'accord ? Internet, c'est pas Facebook, c'est pas le téléphone. Et nous, on met ça. Pourquoi est-ce qu'on associe tout ça en une seule chose ? Quelle est cette chose dont nous parlons ? Cette chose dont nous parlons, c'est ce qui est à la révolution donc de 4 grandes inventions technologiques qui ne datent d'ailleurs pas du 21e siècle. La première, c'est la révolution ou les évolutions autour de la communication. Nous sommes devenus, notamment grâce aux outils de communication, des humains qui sont capables de communiquer en permanence, de manière quasi instantanée, de plus en plus avec n'importe qui dans le monde. Avec des supports qui sont essentiellement, quand même, il faut se le rappeler, audio et visuel. Le parfum, ce n'est pas pour demain. L'odeur,
enfin, la saveur, laisse tomber, et le toucher, voilà, faut pas rêver. Ressentir la main de l'autre à travers ton téléphone, personne n'y croira jamais. La voix, déjà, on y croit, on a tort d'ailleurs, parce que vous n'entendez jamais la voix de l'autre dans le téléphone, vous n'entendez que sa reconstitution passée par la numérisation et par la voix d'un haut-parleur, donc c'est plus sa voix, c'est sa reproduction. La photo, vous voyez bien que c'est pas quelqu'un, mais bizarrement, la voix de quelqu'un, vous voyez pas que c'est comme une photo, c'est-à-dire que c'est pas sa voix. Sur un disque, vous n'entendrez jamais un instrument de musique. Vous n'entendez que le son numérisé et transposé et diffusé. Voilà. Et donc, la communication est devenue un phénomène désormais quotidien et planétaire qui nous réunit. C'est un premier axe. Nous avons optimisé pendant 50 ans nos manières de communiquer, aussi bien dans les contenus que dans les manières de communiquer, je dirais la rhétorique communicationnelle, que dans les outils technologiques qui permettent de communiquer. On avait des pas gigantesques. On était dans le télégraphe, on est aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler les écrans, pour faire court. La deuxième évolution technologique, qui est différente de la première, c'est l'informatique. L'informatique, à l'origine, elle n'a rien à voir avec la communication. Vous comprenez bien, la télévision n'a rien à voir avec l'informatique. Le téléphone, ça n'a rien à voir avec l'informatique. L'informatique, c'est une science de la codification, de la numérisation des objets et de la capacité, en fait, à gérer les objets codés en les mettant en relation les uns avec les autres. C'est comme si vous avez lu... c'est l'invention d'une espèce de grande grammaire, de grande langue numérique du monde. Hein. L'idée, elle est que n'importe quelle chose, un mot, une réalité physique, un événement, une personne, on arrive à la coder, et que les caractéristiques qu'on arrive à coder de cet objet ou de cette personne, ou de cet individu, ou de cet événement, manifestent comment est-ce que cet événement est en relation avec un autre événement, une autre chose. Et le génie du codage informatique, c'est que la base du codage, c'est du 0 et du 1 à la suite. Voilà. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais l'informatique, ce n'est pas la même logique. Hein, on va le voir, l'informatique, ça a permis l'invention d'Internet. La communication n'aurait jamais permis l'invention d'Internet. Mais aujourd'hui, Internet, ce n'est pas que de l'informatique. C'est des images, c'est du son, c'est de l'hypercommunication. La troisième, et donc la numérisation, elle vient de l'informatique. La troisième révolution, c'est Internet, c'est le web. D'accord ? L'informatique ne nécessitait pas l'invention du web. Vouloir mettre en connexion des objets techniques, des machines, voyez, à distance, en relation les unes avec les autres, faire que les machines puissent se commander les unes les autres et entrer en interaction à distance les unes et les autres, que l'ensemble des moyens de communication puissent être reliés les uns aux autres, c'est encore un autre concept. Oui, bien, c'est une autre idée. D'inventer une toile d'échange d'informations, ce n'est pas la même chose que d'optimiser la communication, et ce n'est pas la même chose que de vouloir coder le monde. Voilà. Mais ces choses-là se sont rencontrées les unes avec les autres. Et évidemment, aujourd'hui, vous comprenez bien que ça fait une toile à l'échelle mondiale qui interconnecte tous les objets de type informatique, contenant de l'informatique, et qui, en plus, pour la plupart d'entre elles, véhicule pas simplement de l'information matérielle, mais aussi des images. Le même objet permettant à tout, d'ailleurs. Un téléphone, c'est tout ça à la fois. Et puis, la quatrième révolution auquel on ne pense pas, c'est l'économie de la consommation. C'est-à-dire l'idée de créer une addiction productive au plaisir. Je suis très précis, hein, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, on a inventé dans les années, enfin c'est l'entre-deux-guerres, hein, progressivement, et on a validé ça à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, de dire l'économie dépendra désormais de manière irréversible et intrinsèque de la consommation de masse. La consommation de masse n'a rien à voir avec les besoins d'usage, elle a à voir avec l'addiction du plaisir. D'accord ? Le but, c'est de déclencher chez vous une pulsion d'achat qui est fondée sur un réflexe de plaisir qui relève de votre cerveau reptilien qui instrumentalise totalement votre cerveau limbique. Enfin, la réflexion est totalement relative. Voilà. Ça, il fallait y penser. Ce n'est pas du tout l'informatique. Comment ça se fait que les stratégies de développement de la communication sur Internet se fassent essentiellement par des logiques qui sont celles du marketing ? Comment se fait-il que vous devenez addict au contenu ? Il n'y a pas de raison. Pourquoi la communication serait-elle addictive ? Ben, c'est parce que, précisément, on la conçoit pour qu'elle soit addictive. Comprenez, si vous aviez une image en mauvaise définition, avec des mauvaises couleurs et un son complètement flouté, mais vous ne seriez pas addict ni à Skype, ni à rien d'autre. Enfin, vous voyez, si vous étiez, comment ça s'appelle, espèce de jeu là, pour les gamins, ça vous avez des gros, c'est le Lego informatique. Minecraft, voilà. Vous voyez Minecraft ? Non, vous ne voyez pas Minecraft.
Minecraft, c'est vraiment... C'est quand tu as décidé que tes enfants, il ne faut pas qu'ils soient addicts à Internet, mais c'est le premier niveau du jeu où, de toute façon, c'est tellement grossier que tu dis qu'ils ne vont pas être addicts. Manque de chance. La logique de fond, elle est la même. Voilà. Mais évidemment, les gamins qui ont 7 ans, 8 ans, qui jouent à Minecraft, ils attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir jouer à Call of Duty ou je ne sais pas trop quoi, un truc dans lequel le niveau des images, de haute définition, et les adultes d'ailleurs passent leur vie. Alors, ce n'est pas des jeux vidéo, mais c'est la même chose, c'est des informations qui sont conçues exactement comme des jeux vidéo. C'est très impressionnant, comme, je ne sais pas si vous êtes déjà surpris, à regarder addictivement la même image qui passe en boucle sur la télévision, qui ne contient aucune information, mais comme c'est la seule image qu'on a sur l'événement qu'on est en train de commenter, sur lequel d'ailleurs on n'a pas d'information supplémentaire dans l'heure qui vient, on vous la passe en boucle. C'est quand même phénoménal. Et vous, vous êtes là et vous regardez. Pourtant, vous êtes des gens sensés, qui ont normalement fait des études, la distanciation spirituelle, culturelle, intellectuelle. Zéro. Addict. Et donc d'avoir développé une logique sociale d'addiction au plaisir lié à l'acte d'achat ou à l'acte d'acquisition d'un objet ou d'une image, c'est une logique aussi. Et enfin, vous avez la miniaturisation, qui est un petit détail, mais enfin, quand même, ça joue. Quand vous savez qu'aujourd'hui, vous avez dans vos poches l'équivalent d'un ordinateur, de 5 ordinateurs qui n'auraient pas tenu, enfin, de 5 ordinateurs du volume de cette pièce dans les années 50, c'est impressionnant, la miniaturisation. Alors, pourquoi est-ce que toutes ces choses concours, vous le devinez intuitivement, parce que derrière, il y a une pensée scientifique. Donc, il y a une manière de voir le monde. La science, c'est une manière de voir le monde. Et que la pensée scientifique appliquée à des techniques les prédestine les unes les autres à se connecter. Je ne vais pas vous faire un cours d'épistémologie. Voilà. Mais donc, le résultat, c'est un deuxième cerveau. C'est un deuxième monde. Et une deuxième manière de vivre. Ce qui n'est pas rien. Alors, pourquoi un deuxième cerveau? Parce que l'informatique... est capable d'imiter tous les processus rationnels. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? Un assistant à la rationalité. Or, dans nos vies, il y a des milliers de domaines dans lesquels la raison est en jeu. Partout là où la raison est en jeu, vous pouvez vous laisser assister par un objet, vous voyez, par un ordinateur. Et donc, l'ordinateur, on va le dire dans l'autre sens, vient se loger progressivement dans nos vies, dans tous les espaces où la puissance résonante de l'esprit, je ne parle pas de la qualité, je parle de la puissance résonante de l'esprit est limitée. Donc nous déléguons d'ailleurs progressivement, ça commence par l'étape de multiplication, puis ça s'étend, ou stockage d'informations enfin, dans notre mémoire, nous déléguons à l'ordinateur toute une puissance rationnelle dont nous usons de moins en moins, et c'est très léger d'ailleurs, parce que c'est pratique d'avoir, quand tu n'as pas de mémoire, en 15 secondes sur Google, tu as trouvé ta référence. Tu as trouvé le nom du bonhomme, tu as mille manières de trouver le nom du bonhomme. Ou de l'événement, ou du livre, ou de l'article. Quand on fait du travail de fond, de recherche, c'est extraordinaire la vitesse avec laquelle on retrouve une référence, une citation, une page. Ceci, c'est quand on a su se servir d'une bibliothèque, qu'on s'est servi intelligemment d'Internet. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que les gens qui ne se sont jamais servis d'une bibliothèque en fait, perdent un temps phénoménal dans la recherche de sources quand il s'agit d'un travail intellectuel. Et donc, vous voyez bien que donc deuxième cerveau, au sens strict, hein, prolongement du cerveau, assistant du cerveau. Alors, de certaines fonctionnalités du cerveau, tout ce qui est les fonctionnalités rationnelles. Le cerveau, c'est aussi de l'émotion, de la fulgurance, de l'intuition. Là, on pourrait le développer, mais là-dessus, l'informatique, l'intelligence artificielle, zéro, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'intelligence. Appeler ça intelligence artificielle, c'est un, comment vous dire ça, c'est une imposture ou un abus de langage. Il n'y a pas d'intelligence. Il y a un assistant numérique à l'exercice de la rationalité. Un support, on pourrait presque dire. C'est un support voilà, auquel vous pouvez déléguer toute une part matérielle de la raison. Est-ce que vous pouvez lui déléguer du discernement ? Est-ce que vous pouvez lui déléguer des décisions humaines qui touchent de l'humain ? Grande question. Si vous avez un petit peu de mémoire, vous vous souvenez que Descartes était fasciné par les machines, a tenté de penser le corps humain comme une machine, a tenté de penser l'intelligence humaine comme une machine rationnelle. Et Descartes et Galilée, secondairement Newton, sont les pères de la pensée scientifique. Et donc, toute notre manière scientifique d'aborder et toute notre manière technologique d'aborder l'existence est marquée par une manière machiniste, rationnelle de voir l'humain. Donc, il est parfaitement normal que les robots nous devancent sur ce terrain-là. Enfin, vous voyez ? Quand vous pensez l'humain de manière machine, c'est normal qu'une machine, à un moment donné, fonctionne mieux que l'humain, non ? Puisque l'humain n'est pas qu'une machine, et il y a des endroits où c'est une mauvaise machine. Elle suce plus vite, elle a des bugs bizarres dès qu'elle a mal à l'estomac.
tout d'un coup, n'est plus capable d'être performante. Et puis, les pièces ne sont pas remplaçables de manière simple. Puis, quand tu appuies sur reset, ça ne marche pas. Fin. C'est vrai que quelqu'un qui ne veut plus discuter avec vous, c'est quand même pénible. Quoi. Vous ne pouvez pas vous adresser au fabricant. On ne vous présente pas quelqu'un, un interlocuteur de rechange. Quoi. C'est capricieux, malade, impondérable. C'est une mauvaise machine, quoi. Même pour courir, enfin pour tout ce que vous voulez faire en puissance. Pour la puissance, on n'est pas bon. Il faut quand même le savoir. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on rêve tous de puissance, qui est quand même totalement infantile et parfaitement stupide, mais c'est pas grave. Donc je vous disais, c'est un deuxième cerveau. Ensuite, c'est un deuxième monde. Internet nous permet de projeter un monde imaginaire. Et nous ne sommes pas contentés de créer un deuxième monde, nous nous donnons rendez-vous dans le deuxième monde. Facebook, c'est un rendez-vous dans le deuxième monde. Alors, ça ne supprime pas le premier. Mais c'est un deuxième monde. Donc il y a une véritable socialité. Mais cette socialité n'est plus dans l'espace physique. Donc ça s'appelle... Ce n'est pas faux de dire que c'est un réseau social. Parce que ben, y a de la relation des individus les uns aux autres, pour autant et à la mesure avec laquelle ils se transfèrent dans le deuxième monde pour se rencontrer. Donc vous n'éprouvez pas le besoin de rencontrer les gens physiquement si vous avez décidé de vous investir dans ce deuxième monde comme un monde de substitution. Si vous avez décidé que votre existence sur Facebook... ou sur Snapchat ou sur Instagram est plus importante que votre existence physique, ben vous allez jouer, vous allez vous investir dans une image et une entité qui va être fabriquée par ce réseau, et vous allez trouver que c'est plus intéressant que d'être une pauvre réalité psychophysique, vous voyez, qui a du mal à savoir qui elle est, qui ne sait pas trop bien dans quel état elle est et qui ne sait pas quel est son futur. Alors que l'avantage de ce deuxième monde, c'est que vous pouvez vous inventer des futurs, des passés, des identités. Enfin, c'est... Là-dessus, il n'y a pas de connotation morale, c'est un fait. Alors, dans ce deuxième monde, on peut faire des choses sérieuses. Vous avez des papis et des mamies qui vont voilà, sur Facebook ou sur Google pour consulter des choses très sérieuses. Ça n'en est pas moins un deuxième monde. Vous pouvez collectionner les timbres, par exemple, je ne sais pas trop quoi, les médailles ou les décrets, je sais pas trop quoi, les décrets juridiques du XVIIe siècle. Vous pouvez vous passionner pour ça et passer votre vie dans Google et avoir 75 ans. Vous n'en êtes pas moins dans un deuxième monde. Alors, on n'a pas inventé le deuxième monde aujourd'hui. Hein. L'imaginaire, ça existe depuis toujours. Partir dans ses rêves, partir dans ses délires, ça existe depuis toujours. Ce cas, c'est que là, on a une matérialisation de nos rêves, une matérialisation de nos imaginaires, une matérialisation de nos fantasmes. Donc, on a réellement la possibilité presque de vivre, presque physiquement dans ce monde-là. Alors, le fresque, c'est à l'exception du toucher, de l'odorat et du goût. Et avec une vue auquel il faut s'habituer, qu'on voit plus de détails, mais moins de réel. Plus de détails, parce que vous savez bien qu'avec la digitalisation, on voit des détails sur l'écran qu'on ne voit pas à l'œil nu. Je me souviens très bien, j'avais vu, il y a un film qui s'appelle Le Faucon Noir, La Chute du Faucon Noir. Alors c'est très bizarre, vous voyez sur l'écran des gens qui sont censés être à 5 mètres de la caméra qui filme, et vous voyez les pores de leur peau. Entraînez-vous pour voir à 5 mètres les pores de la peau de quelqu'un qui est en face de vous en situation de guerre. Laisse tomber. Ça veut dire qu'on vous crée des images qui n'existent pas, d'accord, qui mélangent des détails vus de près avec une perspective vue de loin. Donc on est vraiment dans un deuxième monde. Et je mettrai là-dedans la manière dont aujourd'hui le cinéma, enfin il n'y a plus de distinction d'ailleurs, hein, il n'y a plus de frontières entre, comme tel, entre le monde du cinéma, le monde de la télévision, le monde, tout ça, c'est ce monde, ce deuxième monde. Et enfin, c'est un deuxième corps, il ne faut pas l'oublier. Moi j'ai toujours cette image, vous voyez ce que c'est qu'un exosquelette, hein, c'est une espèce de machine dans laquelle vous vous trouvez, que vous pilotez. Dans les films de science-fiction, c'est Transformers, ça s'appelle comme ça, non? Donc vous êtes dedans. Si vous êtes Avatar, vous êtes dans la machine et vous la pilotez. Et en gros, c'est ce qui se passe. En gros, nous pilotons plein de machines qui pilotent plein de machines. Alors, on s'est habitué avec les voitures, mais aujourd'hui, vous touchez sur un bouton, les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent, la lumière s'éteint. Enfin, c'est impressionnant. Vous avez un deuxième corps. Donc vous avez un prolongement et une amplification de la puissance corporelle. Parce que vous agissez presque physiquement à distance. Vous appuyez sur le bouton et les rideaux de votre maison de vacances qui est en Californie du Sud ferment ces rideaux. Quand même formidable, non? Vous pouvez vérifier par la caméra qu'elle a bien fermé les rideaux et que vous avez donné manger à votre chien Jim qui est toujours dans la niche là-bas. Okay, vous pouvez faire coucou sur un écran d'ailleurs en vérifiant que Jim, avec une voix qui, même quand vous n'êtes pas là, d'ailleurs, lui parle, parce que même quand vous partez en vacances, vous pouvez vous adresser à Jim. Et donc, ce n'est pas rien d'avoir donc, un deuxième... Et vous avez compris, en plus, ce n'est pas un corps individuel, ce n'est pas un cerveau individuel, et ce n'est pas un monde individuel. C'est un monde dans lequel on est tous connectés les uns sur les autres. Donc, les règles du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes.
Voilà, ça c'était pour vous présenter de quoi on parle. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est très gentil ce que vous dites, mais on n'y comprend pas grand-chose. On essaye. Et en fait, on vient de créer un monde dont on n'a pas encore une compréhension parfaitement claire. Mais on l'a créé. Et le pire, c'est qu'il marche. Et on ne sait même pas encore tout à fait pourquoi. Voilà. Donc on est dans la phase d'avoir créé un monde dans lequel nous sommes dans une phase d'apprentissage de la compréhension de ce qu'il est, de ses potentialités, et évidemment on va y travailler, de ses interactions avec nous. Nous sommes au tout début. Et c'est pour ça que la prise de conscience que désormais ce monde est irréversible et qu'il s'étend de plus en plus dans nos existences a donné lieu à cet automne en France, à ce réveil sur l'intelligence artificielle. On prend une deuxième série de petits clips pour passer aux enjeux. I tried to friend you on Facebook. I don't use that. Really? You don't use Facebook? You're kidding me. Everybody's on Facebook. It's Facebook. Could you stop saying Facebook? I got 352 friends. Most of them I don't even know. But oh, and this one time I met this chick. She was smoking hot. Mm. Then she turned out to be a Nigerian man who wanted money. But, I live in a small town. You gotta be on Facebook, though, you know, because it's like a small town. Uh-huh. Only online, you know, so you check in, you can post photos, you know, connect, right? Because who has time for... Yeah. I'll check that out. Yeah. Alors la deuxième question, c'est les enjeux. Vous voyez, qu'est-ce que ça touche de, des vies personnelles D'abord, de nouvelles possibilités. Donc tout ce qu'on vient de voir, ce sont d'abord des, c'est d'abord positif. Hein, la liste des possibilités positives de l'usage de ces outils est innombrable. Ça va des vies sauvées. De la relation familiale à distance. Enfin, il y a des milliers d'usages que chacun de nous pourrait citer et qui permettent de comprendre qu'il ne s'agit absolument pas de diaboliser intrinsèquement ces outils et de comprendre que, au contraire, les opportunités, les possibilités et même un certain exercice de la liberté sont plus grandes. C'est évident que, encore une fois, quand vous travaillez, je prends un petit exemple, parce que moi je l'ai pratiqué intellectuellement, de ne pas être obligé à chaque fois d'attendre de devoir vous retrouver dans une bibliothèque à faire des rayons et des rayons. Attendre que quelqu'un vienne aller vous chercher le livre, le tout pour lire une demi-page ou simplement même une note en bas de page dans un ouvrage, mais de pouvoir le faire en ligne, c'est évident que c'est un gain de tout. Alors on peut dire oui, mais la patience est une vertu magnifique et donc tout le temps que tu perds dans une bibliothèque, tu peux l'offrir à Dieu. Ouais, il y a des meilleures manières d'offrir sa vie à Dieu que de passer des heures à s'ennuyer, à faire des choses qu'on pourrait faire d'un clic, vous voyez, par un ordinateur. Et donc il est clair, et on pourrait le citer, que... font le nouveau pouvoir, les nouveaux pouvoirs, on va le dire ça comme ça, quotidiens, que nous donnent ces outils sont immenses. Et la difficulté, elle n'est pas que ces pouvoirs soient négatifs, c'est que c'est le discernement, on s'en doute bien, qu'on a opéré sur eux, parce que ces pouvoirs ne sont pas non plus positifs. Ce pouvoir, il n'est ni positif ni négatif. Le même outil connecté permet de pratiquer un terrorisme de haut niveau comme de pratiquer de l'humanitaire de haut niveau. Quand vous communiquez aussi bien, exactement d'ailleurs comme une arme à feu, enfin... voilà. La même puissance mise dans une arme à feu peut servir au contraire à construire des outils médicaux de haut niveau. C'est la même logique de puissance, c'est la même usage des choses. La seule chose, c'est que, enfin, c'est la même technique des choses. L'usage que vous en faites est tout à fait contradictoire. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait que derrière, c'est une nouvelle manière d'agir dans le monde, d'agir sur le monde. Vous entrez en contact avec les gens, vous dites les rencontrer. Vous vous servez d'un intermédiaire entre vous et quantité d'activités que jusque-là vous faisiez en direct. Vous allez voir quelqu'un à un guichet pour lui demander s'il voulait bien vous vendre un billet pour aller de tel à tel endroit. Désormais, vous ne rencontrez plus personne. Vous avez dématérialisé votre ticket et bientôt, vous n'aurez même plus besoin qu'on vérifie que vous en avez un parce que les machines le feront à la place des contrôleurs de train. Alors, on n'en est pas encore au stade. Vous aurez des machines pour nous vider du train si on n'a pas les bons billets, mais... Derrière cette nouvelle manière d'agir,
Et là, on touche des choses plus profondes. Il y a aussi une nouvelle perception. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vu, parce que, comme tous les gens depuis 45 ans, je suis un vieux dinosaure qui ne regarde ce monde-là qu'à la lumière du monde d'où nous venons-nous, c'est-à-dire le monde médiéval, hein, qui a fini dans les années 80. Oui, le monde dans lequel voilà, la puissance est réduite, le corps joue encore une place énorme, et dans lequel on n'avait encore que nos cerveaux à nous, avec leur lenteur et leur inertie. Avec quelques machines à calculer, moi je me souviens d'un précoce qui avait transformé sa machine à calculer dans la fin des années 70 en machine à jouer, mais c'était juste un génie, quoi. Et donc, on a une nouvelle perception des choses. C'est évident que quand vous dialoguez avec vos petits-enfants avec une image haute définition quotidiennement par Skype entre ici et Los Angeles, ça vous donne une perception de la géographie qui n'est pas tout à fait la même. Parce que bizarrement, vous voyez en moins haute définition votre voisine que vous croisez en vitesse le matin quand elle sort de chez elle. Vous n'avez pas d'arrêt sur image, vous ne pouvez pas vous arrêter, grossir l'écran, faire un zoom, pas possible. Elle passe, vous n'avez même pas le temps de voir son visage, elle n'est pas devant une caméra, voilà. Pourtant elle est là. Et donc on se déplace, notre perception se déplace. On a une perception plus aiguë de choses qui ne sont pas là, et on a une perception atténuée de ce qui est là. Donc la notion de présence, la notion de coexistence, la notion d'être là et d'être ici et maintenant n'est pas du tout la même. On a aussi, parce que comme on a énormément d'informations, qu'on a la vision de beaucoup d'autres personnes en permanence. Vous voyez bien, aujourd'hui, même si les gamins à 5-6 ans n'ont pas encore de téléphone dans la cour, ils ont déjà cette perception des choses. Et donc, leur niveau d'échange informationnel est 100 fois, 1000 fois supérieur à ce qu'il était dans des enfants du même âge il y a 100 ans. Le nombre d'informations échangées, le nombre de points de vue différents sur le monde, le nombre de perceptions émotives des choses. Et donc, vous voyez bien que, concrètement, le nombre de personnes et de manières de voir les choses qui entrent dans vos vies sans que vous vous en aperceviez est énorme. En plus, le travail de marketing que fait l'ensemble du monde économique par le biais de la consommation, mais que fait aussi l'ensemble du monde de la communication. Et puis, il faut que tout ce monde, l'intelligence artificielle, il faut qu'il se vende, parce que pour qu'il progresse, il faut des sous, et pour qu'il faut qu'il ait des sous, il faut qu'il se vende. Et donc, ces gens-là, je dirais présentement, nous implantent ou nous inondent d'informations permanentes qui ne sont pas des informations nécessairement importantes. Donc, la hiérarchisation perceptive, la hiérarchisation de l'importance des informations, la manière de situer les choses par rapport à moi sont beaucoup plus difficiles. D'accord ? Je suis pas noyé, mais je suis presque dans un océan informationnel. Alors, on a toujours été dans un océan informationnel, parce que vous pouvez vous mettre en plein champ et vous avez des milliards d'informations sensorielles. Mais il faut des années avant de développer une perception sensorielle fine qui vous permette de véritablement percevoir tout ce qui se passe là. Là, c'est l'inverse. C'est des milliards de perceptions indirectes et qui débarquent chez moi sans que je les y invite. Okay ? Je ne vais plus de moi vers le réel, c'est le réel médiatisé qui débarque chez moi. Donc la perception de mon existence, la perception de ma place dans le monde, tout simplement parce que à 10 ans, j'ai des milliers de choses à trier par jour, j'ai des milliers de choix à faire par jour. Un enfant à 10 ans, il y a 200 ans, il n'avait pas beaucoup de choix à faire par jour. La vie lui était tracée. Alors s'il pouvait cligner des yeux librement, mais le contenu du petit déjeuner, les achats de la journée, il n'y en avait pas. Les opportunités d'activité alternative, il n'y en avait pas. C'était la chartreuse, quoi. Du premier au dernier jour de ta vie, tu as la même vie. C'est-à-dire que les paysans peuvent rentrer à la chartreuse, pas les autres. Parce qu'il faut avoir une vie, vous voyez, qui est habituée à s'approfondir dans la régularité. Et pas nécessairement à se nourrir de la diversité de l'information. Et donc cette nouvelle perception donne aussi une nouvelle vision du monde, dont on a du mal à désigner les contours. On le voit, vous discutez avec un enfant de 10 ans de ce qui se passe dans le monde, vous voyez bien que si vous en avez 25, il n'a pas la même perception que vous. Et si vous en avez 40, les deux autres n'ont pas du tout la même perception que vous. Donc nous ne voyons pas le monde de la même manière et nous avons du mal à décrire comment nous le voyons, parce que les évolutions sont faites aussi très vite. Du coup, nous avons aussi une nouvelle manière d'agir et d'interagir les uns avec les autres, de nous adresser les uns aux autres, d'entrer en relation les uns avec les autres. C'est vrai, prenez les 4-5 derniers jours et voyez tous les gens avec lesquels vous êtes rentrés en relation par le biais de votre téléphone ou d'Internet, par rapport aux gens que vous avez réellement rencontrés en direct. Et encore, on n'est qu'au début. Hein. Je vous rappelle que la puissance des outils informatiques double tous les 14 mois, je crois, à peu près.
qui veut dire à peu près que double, hein, c'est-à-dire que c'est énorme de doubler. Parce que quand tout double et que c'est déjà beaucoup, ça fait énorme. Puis ça redouble encore après. Ce qui veut dire qu'en gros, l'impact de ces outils sur nos vies, ah, on a quand même un peu d'inertie, double tous les deux ans. Mais ça va faire très vite beaucoup. C'est ce que nous pressentons. Moi, je pourrais être un tout petit peu un peu en dehors, parce que j'ai pas de télévision, je me sers très peu d'Internet, du téléphone portable, essentiellement pour téléphoner ou recevoir des SMS. Eh bien, je vois bien que quand je monte à Paris régulièrement, ces évolutions, on les voit de 6 mois en 6 mois. Ce n'est pas d'année en année. De 6 mois en 6 mois, on voit le niveau de dépendance à l'écran augmenter. Voilà. Ce n'est pas positif ou négatif, c'est une autre manière de vivre. Qu'est-ce qu'elle a comme avantage? Qu'est-ce qu'elle a comme inconvénient? Et quels sont les critères par lesquels nous discernons cela? Ce sont les grandes questions qui commencent à se poser à nous. Enfin, nous avons développé aussi un nouveau savoir pratique. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de choses qu'on arrive à faire par un autre moyen qu'un moyen direct, mais un moyen indirect, voilà, est considérable. Et donc nous avons, et c'est à ça que je veux en venir, de nouveaux types de choix à opérer, avec qui je veux me mettre en relation. Drôle de question, non? Pour quelqu'un qui a grandi dans les années 20. Je me mets en relation comment? Ben, je peux aller sur la place publique dire « il y a quelqu'un qui va être mon ami, là ?» Ça ne va pas le faire. Mais là, vous faites ça. Vous allez sur LinkedIn ou Facebook, et puis voilà. Alors, vous avez des amis, ça ne veut rien dire des amis, mais bon, bref, des relations. Enfin, ce n'est même pas des relations, c'est des gens qui estiment que ce que vous représentez pourrait leur servir à quelque chose, pour être très court. D'accord ? En gros, c'est des rapports d'utilisation réciproques. Mais c'est aussi le choix du degré de dépendance ou d'influence. Est-ce que nous choisissons, ou est-ce que nous devrions choisir le degré où nous voulons nous laisser influencer ou non? Parce que nous sommes sous influence. Plutôt de force que degré aujourd'hui. Hein, la convivialité informatique ayant pris l'habitude de faire de nous des aliénés volontaires. Donc nous laissons la dépendance à ces informations et cette vision du monde nous envahir. On a commencé avec la télé, ça, hein, qu'on ne parle plus que du dernier truc qui s'est passé à l'autre bout du monde, dont on n'a aucune idée de la véracité d'ailleurs. Et pas tellement de ce qui vient de se passer dans l'immeuble. Et donc, voilà, là, il y a des choix à faire qui sont plus complexes voilà, que ceux que nous avions à faire il y a 30 ans. Nous avons aussi des usages. On s'aperçoit que ça a un impact sur notre émotivité, parce que ces outils ont une... C'est Marshall McLuhan. Hein. Si vous voulez lire un jour un livre intelligent et qui définitivement a absolument analysé toutes les problématiques, 64, Marshall McLuhan, Comprendre les médias. C'est un peu fatigant à lire parce qu'il y a une idée toutes les deux pages. Mais en gros, il explique de manière géniale que, quel que soit le contenu, donc c'est à l'époque, vous voyez, naissance de la télévision, il a compris que l'électricité allait permettre de mettre en connexion tous les outils de communication, que le jour où les outils de communication seraient mis électriquement en relation les uns avec les autres, la vitesse de communication des individus les uns avec les autres allait être presque à la vitesse de la lumière, et que donc, ça allait créer des phénomènes psychosociaux massifs de, précisément d'interaction de liquidification de la circulation de l'information et surtout des émotions. Il avait parfaitement compris que, quel que soit le contenu qu'on allait mettre dans ces télévisions et ces internets et ces écrans, que ce soit de la théologie ou de la pornographie, pardon, comme tel, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est le phénomène d'interaction permanente des gens, vous voyez, les uns avec les autres, qui allait créer une espèce de phénomène d'affectivité collective. Et effectivement, c'est ce qui se passe. La réactivité collective émotive que nous avons est presque instantanée. Ça a commencé avec la télévision. Ça se diversifie un peu avec la radio aussi. Mais c'est devenu permanent. Et puis ensuite, il y a une dernière type de choix que nous avons à opérer, donc celui de notre écologie affective, c'est-à-dire que, à quelle dose et quel type de contenu je veux, et pour quel type d'activité je veux me servir de ces outils, pour quel type d'activité je ne veux pas m'en servir. Et puis, le dernier choix qui est plus complexe, c'est ce que j'appelle, moi, la radicalité des alternatives. C'est-à-dire que la puissance de ces outils est monumentale. Et donc, le moment où vous hésitez à cliquer sur l'envoi d'un mail dans lequel vous calomniez gravement l'autre, de manière telle que ça soit irréversible. C'est-à-dire que là, le contenu de ce que vous êtes en train de raconter sur autrui va lui pourrir sa vie professionnelle pour 20 ans. Le moment où vous appuyez, c'est irréversible. Vous savez, c'est Philippe Néry qui confessait cette dame, qui confessait sa médisance. Et alors, pour la corriger, une fois, il lui dit, bah, écoutez, comme pénitence, vous allez prendre une poule et vous allez vous déplacer dans la ville de Rome en la plumant.
Donc elle obéit, puisque c'était Saint-Philippe Néri qui le lui disait, donc elle fait ça toute la journée. Elle revient se confesser un peu plus tard, elle dit, ben maintenant, comme pénitence, vous allez aller récupérer les plumes de la poule. Alors il lui dit, ben, c'est impossible. Il dit, oui, avec votre médisance, vous faites exactement pareil. Vous voyez, bon, évidemment, c'est négatif. Hein. Une bonne parole, c'est aussi la même chose. Hein. Mais c'est bizarre, ça a moins d'effet efficace, la bonne parole. Et donc, c'est pour dire que là, c'est rien. La poule, elle avait quelques plumes. Vous voyez, la ville de Rome, c'est tout petit. Une information, c'est des millions de personnes. Un individu aujourd'hui peut impacter des millions de personnes simplement par le biais, en n'étant jamais sorti de chez lui, en n'ayant aucune légitimité à s'adresser publiquement plus qu'à ses voisins. Vous voyez, voilà. Donc, il y a une puissance d'interaction potentielle gigantesque. Et cette puissance d'interaction potentielle gigantesque, elle n'est jamais neutre. Elle est ou positive ou négative. Le même outil et la même opportunité peut, selon mes choix, aboutir à sauver la vie d'autrui ou la détruire. Ça, ça réclame des choix d'un autre type. C'est le type de choix qu'avait commencé à mettre en lumière un philosophe qui a écrit le principe responsabilité et qui soulignait comment est-ce que la puissance de l'homme désormais sur son environnement, sur ses semblables et sur les générations qui suivent, réclame une maturité du choix nouveau parce que notre capacité d'impact sur la vie des autres a considérablement augmenté. Du coup, les enjeux, c'est d'abord la lucidité. Alors, l'homme est un être qui a beaucoup de mal à être lucide sur lui-même, hein, mais ça fait partie de la tâche humaine que d'essayer d'être lucide sur ce qu'on fait, sur les conséquences de nos actes et sur leur portée. Aujourd'hui, c'est difficile de comprendre les conséquences de ce que je fais. Par exemple, nous sommes en train d'apprendre que chaque fois que vous vous servez d'un téléphone portable ou d'Internet, en fait, nous consommons caloriquement en CO2 beaucoup de choses. Parce que vous le savez bien, les big data, vous voyez ce que sont les big data, les endroits dans lesquels sont stockées ces informations, dont la plupart d'entre elles sont, au plan profond de notre existence, totalement inutiles, mais qui pourraient servir un jour à quelqu'un, éventuellement pour pouvoir interagir avec nous ou sur nous. Ça coûte très très cher à conserver ces choses-là. Il y en a de plus en plus et que rapidement nous allons arriver à saturation. Et nous n'avons pas aujourd'hui encore d'intelligence artificielle capable de déterminer la manière de les trier, ces big data. Qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va jeter. Donc ça veut dire que les effets collatéraux de ce que nous faisons nous sont en partie ignorés. Et donc on voit bien qu'il y a un travail de lucidité qui est évidemment sur les inventeurs mais aussi sur les usagers. Parce que les inventeurs sont par définition pas chargés de savoir quelles sont les conséquences de ce qu'ils viennent de fabriquer. Vous savez bien que tout programme informatique est intrinsèquement imparfait et que quand on le met sur le marché, on n'a absolument pas bouclé les vérifications élémentaires parce qu'elles ne peuvent jamais être finies. Enfin, le problème de l'intelligence informatique, c'est qu'elle a une partie d'aléatoire qui fait que ce n'est jamais un produit parfait, c'est intrinsèquement imparfait, mais on n'a pas du tout le temps de vérifier. C'est l'usager qui va venir, et si on vous actualise régulièrement, on update régulièrement votre ordinateur, c'est pour précisément réparer ce dont on s'aperçoit que ça dysfonctionne. C'est comme si le mécanicien embarquait dans votre voiture, vous voyez, réparer les pneus ou je sais pas trop quoi, les cardans, les compteurs, en même temps que vous conduisez. Donc c'est la lucidité, grand problème, d'autant plus que les créateurs de ces objets ne l'ont pas. Moi j'ai souvent discuté avec des programmateurs, ils sont incapables de vous expliquer comment ça se fait qu'une machine électrique qui fait simplement 0-1 finit par être un truc qui répond à tes questions quand tu parles par oral. C'est quand même bizarre, non? Une machine électrique, tu lui dis Google, ok Google, qu'est-ce que tu penses des difficultés qu'il y a à divorcer quand on est marié depuis 50 ans? Voilà. Google va vous dire quelque chose. Comment ça se fait que cette machine est capable de vous répondre à ça? Voilà. Le programmateur n'est pas chargé de vous expliquer. Il sait comment, par contre, il ne faut pas fabriquer une machine qui fonctionne. Le deuxième, vous l'avez compris, c'est celui du discernement. Et la troisième, c'est celui de la liberté. C'est-à-dire qu'évidemment, l'ensemble de ces réalités, de ces objets connectés, on va appeler ça comme ça, hein, et de la dépendance dans laquelle nous sommes vis-à-vis d'eux, fonctionne de manière systémique, c'est-à-dire qu'en gros, fonctionne de manière autonome. Autrement dit, c'est très difficile, quoi que nous en disions, de contrôler et de décider l'usage que nous allons en faire. Demain, si vous avez décidé de ne recevoir vos factures que par la poste, vous aurez de graves problèmes, pas directs, mais collatéraux. Si vous décidez définitivement d'exclure Internet de votre existence, vous allez vous désocialiser à haute vitesse.
Si vous décidez de vous servir de votre téléphone que comme téléphone, vous allez rapidement avoir des difficultés intrafamiliales et extrafamiliales. Et donc, c'est pourquoi ? Parce que c'est un système que nous avons adopté des errements comme un assistant d'existence collective et comme un déterminant de l'existence collective. On est passé de l'assistance à la détermination. Désormais, tout ce que peut apparemment faciliter l'usage de ces outils, nous le choisissons. Sauf qu'en fait, le bilan au bout de 5 ans, c'est que ça te complique ta vie aux marges de l'endroit où ça te la simplifie. Je ne vais pas me lancer dans les détails, mais... Non. Avant de passer aux pistes, c'est-à-dire en gros, comment face à ça, pouvons-nous nous positionner ? On va regarder, c'est le résumé rapide, la bande-annonce d'un film qui s'appelle The Nerve. Bienvenue dans Nerve, un jeu qui ressemble à action ou vérité, mais sans la vérité. Les voyeurs paient pour voir, les joueurs jouent pour gagner l'argent et la gloire. Tu es voyeur ou joueur ? Tu es voyeur ou joueur ? Tu es voyeur ou joueur ? Voyeur ou joueur ? Ça a l'air très louche, non ? Est-ce que c'est légal ? Il faut que tu prennes des risques une fois de temps en temps. Mais j'en prends des risques. Ok, tu vas jouer à Nerve. Vite, tu acceptes ton défi. Embrasser un inconnu pendant 5 secondes ? Embrasse ce gars-là. Ok. Ok, bye. Il semble que les voyeurs veulent que je fasse équipe avec toi. Ok. Défi accepté. C'est lui. Vous savez où je peux trouver cette robe ? La vache. Mon portefeuille, mes fringues, tout a disparu. Je sais, mes affaires aussi. Ce que ça dit, c'est qu'on doit juste quitter le magasin. Je suis fan. Allez, allez, un petit billet. Tu sais qu'il y a un gosse qui est mort à Seattle en jouant à Nerve ? Il se passe quoi si j'arrête ? Tu perds tout. Les foyeurs ont volé notre identité, on est devenus prisonniers du jeu. Vie, nous contrôlons ta vie. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de gagner. Oublie pas que tu es mes yeux. Je le crois pas. Mais vite ! Joueur, montrez-nous vos armes. Vous avez une série qui s'appelle Black Mirror, c'est à peu près la même chose, qui évidemment explore le côté noir des choses. Hein. Alors, il y a un côté noir des choses, Internet, il y a ce qu'on appelle le dark web, c'est-à-dire qu'il y a un autre endroit que simplement Google pour avoir des informations, et ces informations sur les milliers de choses qui ne sont pas tout à fait légales, ou qui sont profondément perverses, des fois les deux. Voilà, il est évident que, comment dire ça, l'usage de ces outils, je vous disais tout à l'heure, comme tel n'est pas... Ces outils ne sont pas bons ou mauvais, mais leur usage n'est jamais neutre. Et surtout, la manière dont ils sont conçus, on l'a vu tout à l'heure avec Facebook. Hein. La bonne intention avec laquelle ils ont, dans certains cas, été conçus, n'est pas toujours maintenable dans la durée, à cause de la multiplicité des usages qu'on peut en faire, et du fait que, comme la loi fondamentale avec laquelle l'ensemble de ces objets sont lancés dans le monde est quand même celle du marché, celle de la rentabilité économique, vous voyez bien que je ne peux pas séparer ces outils de communication des logiques de fond qui sont celles de nos sociétés, qui sont des logiques de compétitivité, d'image, de pouvoir et d'autocentrage sur soi. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment ces outils ne peuvent pas servir à d'autres choses magnifiques. Alors, quelques pistes. D'abord, je pense, et c'est l'essentiel, prendre au sérieux la formation. Je pense que là-dessus, on a raté l'éducation des enfants, des jeunes, il y a 10 ans à Internet. Je pense qu'on a raté aussi la formation d'un certain nombre de jeunes, il y a 20 ans, à la multiplication des chaînes de télévision. Il ne faudrait pas qu'on rate complètement l'éducation des adultes et des jeunes et des petits aux enjeux énormes qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc il y a un travail de formation. Moi, je le compare souvent au nucléaire et à la finance. Le nucléaire, c'est très bien, mais ça réclame d'avoir une centrale nucléaire pour sécuriser l'usage de cette énergie. La finance, on n'est pas encore décidé à créer les logiques et les lois sécuritaires qui vont permettre que la finance
cesse d'avoir une influence délétère sur l'économie mondiale. On n'a pas choisi de le faire malgré 2008, hein, donc on est reparti comme en 40. Donc on va se retrouver un jour ou l'autre devant un mur qu'on va se prendre à l'échelle mondiale, parce qu'on n'a pas choisi précisément que cette énergie fascinante, qui est celle de la finance, utile quand elle est maîtrisée, le soit véritablement au service du bien. Internet, c'est la même chose. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est une énorme puissance. Si elle n'est pas maîtrisée avec des choix profonds, des usages que nous voulons en faire, il est évident que ces usages pervers vont déborder et devenir en plus beaucoup plus juteux économiquement que ces usages vertueux. C'est le problème des outils. Vous servez d'un couteau de cuisine pour peler votre orange ou pour assassiner votre voisine, à vous de choisir. Voilà. Mais c'est bizarre, on a plus rapidement l'idée de faire des choses bizarres quand on se sert des écrans que quand on se sert de son couteau de cuisine. Il n'y a pas besoin d'être psychopathe pour avoir l'idée de perdre du temps à des bêtises et des trucs plus ou moins, vous voyez, un peu bizarres. Tout simplement parce qu'on quitte plus vite le réel, vous voyez, du discernement immédiat à l'intérieur de notre existence. Je dirais qu'il faut prendre au sérieux la formation, et j'ajouterais, même si ça ne fait pas du tout moderne, il faut prendre au sérieux aussi la l'ascèse ou l'auto-éducation, l'auto-limitation. Je pense d'ailleurs que le degré d'addiction et de la facilité d'addiction de ces objets réclament que l'auto-limitation et l'ascèse ou l'auto-éducation se fassent en coopération les uns avec les autres. Nous avons tous une tendance alcoolique et addictive à l'usage de ces outils. C'est intrinsèque puisqu'ils sont conçus comme ça. D'accord ? Leur efficacité est liée à leur capacité de vous rendre captif. Vous avez tous éprouvé Microsoft, l'usage de Google, de Microsoft, d'Apple ou autre. Il n'est pas question de nous laisser libres. Hein, évidemment, il y a des programmes qui sont des programmes comme Linux, qui sont des programmes ouverts, voilà, qui au contraire facilitent. Mais il ne faut pas rêver, ce n'est pas la loi du genre. Et donc concrètement, il y a un travail là de formation, de compréhension, un peu comme en bioéthique. On va entrer en plein débat sur la GPA, sur la PMA. Comment, on était avec la même chose sur le mariage pour tous, on ne peut absolument pas se permettre de réfléchir là-dessus à coup de slogans ou d'idées simplistes. C'est beaucoup trop compliqué pour qu'on règle ça en 2 minutes. Nous avons inventé des manières d'agir qui réclament des discernements complexes. Autant, le tout, c'est de l'assumer avec courage. C'est la même chose que pour l'économie. On a besoin de comprendre un tout petit peu ce que c'est que l'économie dès qu'on dispose un tout petit peu d'un capital ou d'une somme d'argent importante, parce que voilà, nos actes ne sont pas neutres et qu'ils sont insérés dans des logiques complexes, mais avec des incidences importantes sur la vie des autres et sur la nôtre. Et donc je dirais que, pour moi, la première chose que réclame, si nous voulons rester libres, c'est une auto-éducation permanente et durable. La deuxième, c'est que je pense totalement utopique de penser pouvoir se servir de ces outils de manière libre si nous ne travaillons pas en permanence à la construction de nous-mêmes de manière fondamentale. Autrement dit, plus nous travaillons dans de la virtualité, plus nous avons besoin d'avoir de l'ancrage dans le réel. Plus je suis en contact avec des gens par le biais de médias multiples et variés, plus j'ai besoin d'apprendre à être capable d'être en relation réelle avec des gens que je rencontre. Vous voyez ? Ce que disait déjà McLuhan, il disait la seule manière pour que ça ne disloque pas les identités, c'est que la formation des personnes soit forte, capable d'opérer des discernements et des actes courageux. C'est-à-dire devenir... acquérir en permanence une capacité d'autonomie sur l'usage des outils pour pouvoir être libre par rapport aux contraintes qu'ils nous imposent. Pour ça, je dirais qu'il y a 3 choses. D'abord, il y a la culture, c'est-à-dire cette manière d'approcher le monde qui a traversé des millénaires et auquel ne me permet pas d'accéder ces outils. La rencontre physique avec un tableau, la rencontre physique avec une œuvre musicale, la rencontre physique avec une architecture ne sera jamais, jamais, jamais remplaçable par une quelconque approche virtuelle. Le dialogue avec quelqu'un en direct ne sera jamais remplacé par le fait de suivre une conférence à distance. Et donc, il y a quelque chose de l'ancrage dans la réalité qui passe par la formation. La culture, normalement, c'est celle qui vous apprend à goûter la réalité avec saveur, pour apprendre progressivement à quitter nos illusions, nos rêves et nos délires. Il est évident que dans un monde qui nous facilitera nos illusions, nos rêves et nos délires, l'ancrage passe par la culture, elle passe aussi par la relation à l'autre. Et enfin, je pense qu'elle passe par le corps. Je pense que le grand parent pauvre de l'intelligence artificielle et de ses outils, c'est qu'ils ils nous dispensent de l'apprentissage de l'existence dans le corps. Ils essaient de s'y substituer.
Et la pire chose qu'on pourrait vivre, c'est de finir par avoir, d'accorder plus de réalité émotive, sensorielle, à ce qui se passe dans ce deuxième monde par rapport à ce qui se passe dans ce monde-ci. Bien sûr que c'est séduisant, parce que dans ce deuxième monde, je choisis la souffrance que je veux vivre, je choisis le plaisir que je veux vivre, je choisis le type de scénario que je veux donner à mon existence parallèle. Mais je peux choisir tout ce que je veux, puisque ça n'a apparemment, mais en fait pas, de conséquences directes morales sur la vie d'autrui ou sur la mienne, ce qui est évidemment illusoire. Enfin, et je finirai par là, je pense que un des grands enjeux, c'est de se mobiliser en réseau, c'est-à-dire de développer des modes alternatifs en parallèle de ces outils. Des modes alternatifs d'existence, de relation à autrui, de solidarité qui ne s'en servent pas. Autrement dit, je pense par exemple qu'à côté de tout le bien humanitaire que peuvent faire ces outils, il faut réapprendre l'humanitaire à l'échelle locale. Que toutes les manières merveilleuses dont ces outils vous permettent d'obtenir voilà, tout ce que vous rêvez en consommation, vous appreniez aussi à faire attention à ce que font, fabriquent, vendent les gens qui sont autour de vous. Autrement dit, plus on est dans le monde parallèle, et plus il va falloir qu'on réapprenne à vivre dans le monde présent sur une base différente. La solidarité, la qualité humaine avec laquelle on va devoir réapprendre à vivre en dehors des écrans et en dehors des réseaux, en ayant débranché, va devoir être à la mesure de la puissance d'attraction que comporte ce deuxième monde. Et donc ça réclame d'entrer en résistance, on va dire ça, au bon sens du terme, voilà, en envisageant de la manière la plus lucide possible à la fois les opportunités merveilleuses que nous donnent ces outils, mais aussi les risques considérables qu'ils nous font courir. À vous les questions. Merci, frère Samuel. Alors, qui commence avec la première question ? Toujours la plus difficile. Alexis Philippin est à votre disposition sur ce côté. Vous avez le droit de me trouver pessimiste, optimiste, dur. Enfin, vous avez le droit de contester, c'est ça que je veux dire. Monsieur. Oui, comment va se construire le cerveau de ces enfants qu'on voit dès l'âge de 3 ou 4 ans, notamment en Asie, qui déjà manipulent avec brio des tablettes, des téléphones, des smartphones, etc. Alors, il n'y a pas besoin d'aller en Asie, hein, vos petits-enfants, s'ils ont été un tout petit peu, ils savent très bien faire ça. C'est normal parce que je vous rappelle que la logique informatique est une, paradoxalement, quand elle est liée aux images, est une logique pré-rationnelle. Oui, si on n'était que dans de la programmation, on serait dans du dur. Les enfants seraient totalement inaccessibles à de la programmation dure. Si vous aviez que des chiffres, des barres, des lettres, laisse tomber. D'avoir transformé ça en image, c'est avoir connecté la dimension rationnelle du cerveau avec sa dimension imaginaire. Avec évidemment le fait de se déplacer, ce que Apple a énormément fait, de déplacer tout ce qu'on peut vers l'image. Et donc de développer une pensée de type intuitive. La pensée intuitive, elle est bien une fois qu'elle a appris à se sevrer par la pensée rationnelle. Le grand danger, c'est si j'en reste à la pensée intuitive. Ça veut dire que je ne prends pas de distance par rapport aux émotions. Je n'apprends pas à analyser les choses, je reste à la surface de ce que je perçois et je reste dans des représentations floues des choses sans le faire avec précision. Donc je ne développe qu'une petite partie de mon cerveau. L'exemple montre, c'est Nicolas Carr, un Américain qui a analysé ça dans un livre, qu'effectivement c'est pour ça que tous les gens qui sont chez Google mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de tablette, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'imaginaire, il y a un temps pour le sevrage de l'imaginaire par l'apprentissage du calcul, de la lecture, de l'écriture, de la littérature, de la philosophie. Le reste étant pour moi secondaire. Un petit peu d'histoire, un peu de géographie. Et le travail manuel, absolument capital. Je pense que ça suffit à fabriquer quelqu'un. Mais évidemment, voilà, ça fabrique. Si vous êtes que sur les écrans, vous ne développez qu'une partie des capacités de la personne humaine. Et notamment, ce qui est le plus grave, c'est que vous atténuez sa capacité de distanciation critique, qui s'appelle l'intelligence, et donc vous la soumettez à l'émotivité, donc vous l'aliénez considérablement. Vous la remettez dans sa dimension animale, purement animale, j'allais dire. C'est quand même la transcendance de l'homme, c'est d'être capable d'accueillir avec une bonne volonté merveilleuse et beaucoup de bienveillance la dimension animale de soi, pour être capable d'en faire plus que simplement de l'animal. Là, ça me met presque en dessous de l'animal.
Si, je ne vis que là-dedans. Hein. Ce que montre très bien le truc de Soprano. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont devenus totalement débiles dans cette famille. Voilà, il aurait pu planquer sa caméra dans les familles réelles. Hein. Je pense qu'il aurait fait le même clip. Qui n'a pas vu au resto, vous n'avez pas vu ces gens, le moment où les gens sortent. On m'a expliqué là qu'une femme qui anime, qui programme tous les concerts de musique classique du théâtre des Champs-Élysées me disait, entre deux mouvements, on passe à la tribune d'au-dessus, 80% des gens sortent entre deux mouvements, je ne parle pas à l'entracte. Hein. Ces gens sont timbrés, quoi. Et c'est pas, ils n'ont pas 15 ans, hein, les gens qui suivent les concerts. Voilà. Pour dire qu'il y a quelque chose à faire, là. Bonjour, j'aimerais que vous m'éclairiez sur le côté additif dont vous parlez des écrans, parce que même si je suis sûr d'avoir posé le sujet moins que vous, j'y ai grandi et on a bien vu, vous parlez de la qualité des images, mais les jeux vidéo qui ont éclaté dans les 90, c'était vraiment des images qui étaient vraiment assez laides, et pour le téléphone portable c'est la même chose, il n'y avait pas d'écran là-bas, c'est vraiment je pense pas que c'est le côté utilitaire, pratique, qui explose de ces engins-là, qui créent leur consommation et tout ça. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait un côté additif lié à l'image ou au son dont vous parlez. Tout à fait. Moi, j'ai réalisé ça. J'ai deux neveux. Et je suis allé travailler une thèse de théologie dans la maison auquel ils ne logeaient pas. Et dans l'été, ils sont passés à une semaine de différence l'un et l'autre. Ils étaient sur Assassin's Creed. Parce que c'est grandeur nature. Donc, ils projetaient ça sur un méga écran. Alors, ils étaient à peu près au même endroit du jeu. Et alors, j'étais frappé qu'ils n'arrivent plus à s'arrêter. Quoi. Ils ont passé 5, 6, 7 heures de suite sur le truc. Ils m'ont dit, non, mais ça, c'est qu'un cinquantième du jeu. Enfin bon, bref. Et je me suis dit, waouh. Et puis, j'ai vu ce qu'effectivement, tu mélanges du ludique, du guerrier, du culturel. Enfin, tu es complètement... Tu as toutes les dimensions de ce qui peut t'intéresser qui te capte. Sauf que tu es quand même un légume sur ton canapé, quoi. Il faut quand même le voir, le dire. Parce que ce qui est très frappant, c'est qu'on n'a pas aligné 3 mots ensemble, quoi. Ils n'avaient rien à dire, enfin, parce qu'ils étaient complètement préoccupés par le jeu. Là. Voilà. Et donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y a côté quelque chose de fascinant qui, peut-être par moment, trouve. Voilà, ça fait partie de l'art, ça fait partie de la culture, à un moment donné, de rentrer complètement dans un film, dans une pièce de théâtre. Why not ? Le tout, c'est de savoir où est-ce que je le situe. Parce que si ta vie commence à être à la marge du fait que tu vis dans ces trucs-là, aujourd'hui, on le sait, malheureusement, tu as des gens de 40 ans. Ou 35 ans, surtout des hommes qui continuent à être complètement addicts aux jeux vidéo, mais dans leur version très élaborée, comme tu dis, avec des images qui ne sont pas simplement de meilleure définition, mais qui sont conçues pour être fascinantes, qui ont une dynamique corporelle. Enfin, moi, j'ai regardé par-dessus son épaule pendant 10 minutes et j'ai été effectivement assez fascinante. Tu as presque l'impression que tu marches, que tu cours, que tu prends des coups, comme dans Matrix. Sauf qu'à la fin, tu es quand même une serpillière dans ton canapé, point barre. T'as rien vécu, t'existes pas, t'es pas là. Et quand tu tapes au carreau, d'ailleurs, ça répond pas. Faut une heure avant qu'il en sorte de son truc. Dépressurisation pour remonter des profondeurs. Et donc là, finalement, tu te mets à penser. Tu te dis, mais où est-ce que j'investis mon existence ? Quoi, j'en ai qu'une, en plus, elle est assez courte quand même. Plus on avance, plus on s'en aperçoit. Il y a des trucs formidables à vivre, y compris à chaque minute. Qu'il y ait des temps de débrayage, de déconnexion et de passage à autre chose, oui. Mais si ça me réenracine avec encore plus de joie... tu vois, quand je reviens dans le réel. Pas si je suis en attente de l'autre monde encore plus élaboré dans lequel je vais pouvoir encore mieux m'enfuir. Voilà. Donc, je pense que là, il y a des grands défis. Mais c'est pour ça c'est ce que je parlais de... Alors, ça, c'est plutôt masculin. On pourrait trouver la version addictive du côté féminin. Hein. J'étais, oui, tout à l'heure, il y avait dans le métro, là. Elle était sur Instagram, la fille, elle regardait des photos de filles à longueur de machin, enfin... Au bout de la 20e photo, je me dis, qu'est-ce qu'elle voit dans ces... Enfin, tu vois, alors qu'elle était dans toutes les positions possibles, qui était les dernières photos de filles à l'autre bout du monde, sur la piscine, sur la plage. Je me suis dit, mais c'est une fille. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quoi ? Parce qu'au bout de la 10e, 20e photo, tu dis, qu'est-ce qu'elle enregistre ? Addictif. Et donc, voilà, on se dit, il va falloir qu'on apprenne. Pour moi, c'est intéressant, c'est un vrai défi, mais je ne pense pas que chacun puisse être renvoyé, entre guillemets, à sa petite conscience personnelle et sa pauvre petite vie privée, parce que ça augmente l'addiction. Je pense qu'il faut pouvoir s'aider les uns les autres. Un peu comme si on était tous alcooliques. Merci. Je voudrais parler de l'intelligence artificielle. Vous avez dit que le cerveau, parce qu'il n'est justement pas que rationnel, il peut être pris de fulgurance, d'intuition, voire d'émotion. Mais l'intelligence artificielle, si on fait rentrer un peu de statistiques et de probabilités,
on va réussir à lui faire prendre des décisions irrationnelles, parce qu'il prendra en compte d'autres choses, certes rationnelles, l'âge, des tas de choses, et on pourrait peut-être avoir une intelligence artificielle qui pourrait être, comme ils disent, humaine presque. Alors, je vous recommande le très bon numéro spécial qui est sorti de Libération et de France Inter sur l'intelligence artificielle, qui est remarquable. J'ai lu beaucoup de bêtises, moi, ces derniers mois. C'est remarquablement fait, ce numéro spécial-là. Et il montre avec beaucoup de justesse que c'est totalement irréaliste. Pourquoi ? Parce qu'un ordinateur ne sera capable que d'imiter algorithmiquement, c'est-à-dire rationnellement, les émotions. Ce qui est ridicule, ce n'est plus une émotion. Comment vous dire ça ? Vous voyez très bien, quand vous êtes sur une scène de théâtre, le type qui est froid comme un poisson, qui essaie de vous jouer le type émotif et romantique, personne n'y croit. Si on veut vraiment y croire, il faut qu'il joue avec la part émotive de lui-même. Et donc, l'intelligence artificielle restera comme un poisson froid. Parce que c'est la nature même de ce qu'elle est, algorithmique. Or, l'algorithme n'est pas capable de mettre en œuvre de la vibration de la vie, c'est pas comportemental. L'ordinateur ne sait que faire de l'imitation comportementale au mieux. Mais il n'est pas capable de faire du, comprenez bien, hein, du vibratoire. Voilà, ça, c'est pas percé. Or, c'est ça, l'émotion. D'autant plus qu'on souligne que les gens compétents vous disent, mais on ne sait absolument pas comment ça fonctionne, l'intelligence humaine. On n'a aucune idée. Le cerveau, on a des toutes petites connaissances dans des toutes petites zones, sur des tout petits problèmes simplifiés. Donc, on est devant un continent gigantesque. Donc, on commence à peine à comprendre des petits bouts. Plus personne n'identifie le cerveau à l'intelligence. Le dernier qui a fait ça en France, c'est notre brave Changeux, là, avec l'homme neuronal. Mais n'importe quel scientifique aujourd'hui vous dit, mais c'est ridicule. La plasticité de l'intelligence humaine est à des années-lumière de ce qui est capable de faire, de ce qu'on peut prévoir de mieux pour l'intelligence artificielle. C'est pas rassurant, c'est un fait. Et là, le philosophe est radical, si vous voulez. C'est une machine électrique, hein, c'est même pas un vivant. Ils ont inventé là, des espèces de robots qui marchent comme des animaux. Ils vont vous les imiter, mais voilà, avant d'être dans la série qui s'appelle Westworld, là, dans laquelle tu y crois vraiment parce qu'il y a un tel seuil d'humanisation, bien sûr, les poupées gonflables, ça existe depuis longtemps. Enfin, vous voyez, c'est de ce niveau-là. Hein. C'est qu'on peut bien y croire parce que ça nous arrange. Alors, par contre, ce qu'on risque, c'est nous de finir, c'est le plus grand risque, de nous aligner tellement sur la machine qu'on va finir par perdre notre capacité émotive. Par perdre notre capacité de créativité, parce que de se vouer à la créativité fictive d'un monde parallèle qui correspond à mes fantasmes, c'est beaucoup plus tentant que de vivre avec mon émotivité aléatoire, vulnérable, fragile et souffrante, qui en plus dépend de la rencontre avec autrui, qui n'est pas quelque chose que tu fais en 15 secondes en appuyant sur un bouton. C'est sûr. Et donc, de nouveau, ça dépendra de la saveur avec laquelle nous aurons appris à vivre notre existence, même là où elle est un peu amère, que du coup, nous nous désintoxiquerons à vie des risques d'addiction à l'égard de ces outils. Hein. Quand tu as goûté vraiment à du vin, tu ne supportes plus la piquette. Quoi. Quand tu as vraiment mangé... Moi, je me souviens, parce que dans ma communauté, il y avait un frère qui était, fabriquait des desserts chez les Trois Gros à Rennes. C'est son métier. Et ben, ce frère-là, quand tu manges une fois son dessert dans ta vie, plus jamais tu manges le même. Monsieur, c'était des pêches avec du chocolat dessus, là. Depuis, j'essaye partout pour voir, mais voilà, c'est juste du faux, quoi. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour dire, c'est ça l'enjeu. Et c'est pas plus mal, parce qu'on a quand même vécu dans un cartésianisme, dans une moralité comportementale très en dehors de notre cœur profond et de notre corporité. Vous voyez. Et donc, on voit bien que plus on va apprendre à être heureux d'être humain, et plus on saura situer ces outils là où ils sont, pour s'éclater de temps en temps, quoi. Pourquoi pas Disneyland ? C'est ça le jeu vidéo. Bonsoir. J'avais une petite interrogation parce que je me disais, on sait pertinemment les effets que cela provoque sur les générations futures, mais surtout les générations actuelles. Étant donné les effets, la plupart néfastes que cela émet, comment ça se fait que ce progrès ne cesse d'évoluer, même s'il y a bien un enjeu économique, il y a toujours un enjeu supérieur, entre guillemets, mais il faut revenir au fondement de ce qui nous constitue tous, comment ça se fait qu'on autorise encore un progrès qui nous détruit de plus en plus, au final ? Et c'est cette non-limite qui... Je comprends. C'est un problème générationnel. Ça paraît complètement démesuré. Voilà, mais c'est un problème générationnel. Vous avez, vous, les moins de 30 ans, le malheur d'être précédé par des générations de l'après-Deuxième Guerre mondiale qui ont décidé qu'ils ne se restreindraient en rien.
en rien, qui ont pris comme posture collective de casser tous les interdits, toutes les barrières, et qui, voilà, qui sont prêts à tout, pourvu qu'ils ne soient interdits qu'une seule chose, d'interdire. On ne bougera pas, on est psychorigide là-dessus. Donc, on continue d'avoir le discours de l'autorégulation, mettez parfaitement libre. Je vais prendre un exemple brutal. Je pense qu'un gouvernement comme le gouvernement français, mais c'est vrai de tous les gouvernements européens, devrait être accusé et puni légalement pour pédophilie. Le fait de permettre, de ne pas mettre des moyens radicaux d'impossibilité d'accès à des enfants de 5 à 7 ans à de la pornographie dure est une faute politique, pas morale, politique gravissime. Gravissime. Dire que c'est aux parents à contourner toutes les facilités d'accès qu'ont les enfants, quand on sait les statistiques. Ça me semble totalement délirant, ça. Ça ne veut rien dire. C'est comme de demander à un enfant qui a, à la hauteur des yeux, à la sortie du kiosque et des journaux de son école, toute quantité d'images totalement malsaines, de lui demander de fermer les yeux. C'est quand même délirant, ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que... Mais ça, c'est parce que vous êtes précédé d'une génération qui n'a pas le courage au renoncement, qui reste, pardon, je vais être brutal, parce que c'est la mienne, hein, infantile, qui n'a pas le courage de s'auto-limiter, même pour le bien des générations futures. Et qui, par moment, chez certains d'entre eux, on n'a rien à faire des générations futures. Voilà. Ça, c'est très dur à admettre, mais c'est réel. C'est générationnellement vérifié. Si ce n'était pas le cas, on ne se permettrait pas, nous, les 50-70 ans, de vous laisser sur la tête une ardoise, c'est-à-dire une dette nationale gigantesque. Une situation économique extraordinairement difficile. D'accord ? Et une accessibilité à l'emploi qui relève de l'exploit. C'est absurde. Et j'ai dit qu'il y a une... Alors ça, on n'est plus sur notre même sujet. Hein. Mais je pense qu'on est dans un état d'incurie politique gravissime. Et ce n'est pas les gouvernants. Hein. C'est nous. Parce que nous réglons nos comptes alors, avec la morale tyrannique, infantile, moralisante, cato-frustrante et castratrice dans laquelle nous avons grandi, qu'il était pour une part. Mais de passer ça à une éternelle libération adolescente, moi, ça me semble pathétique. Complètement pathétique. Et là, il y a un vrai problème. Pourquoi pas se mettre autour d'une table et dire oui, nous, globalement dans ce pays, 80% des gens ne sont pas capables de s'auto-limiter sur un certain nombre d'usages addictifs. Alors, on poursuit les fumeurs en les inondant d'images traumatisantes, en leur faisant... On est chez les fous quand même, non ? Pourquoi les fumeurs ? Pourquoi pas les buveurs aussi ? Si vous aviez des foies cirrhosées sur toutes les bouteilles de la région, là, vous voyez, des gens en train de mourir de cirrhose du foie ou de delirium tremens, vous voyez un peu la vente du vin ? Mais l'alcoolisme, c'est destructeur des familles, bien pire que la cigarette. Bon, bref, c'est toutes ces hypocrisies avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, moi. Après ça, qu'on dise on est des pauvres gens, et en fait, on n'a pas envie, et ça nous embête. Oui, mais au moins, tu le dis. Alors évidemment, si tu commences à vouloir censurer Google dans ton pays, tu vas apparaître comme la dictature chinoise. Voilà. Mais oui. C'est juste, est-ce que vous avez l'impression que ce sont les politiques qui devraient mettre plus de limites ? Parce que le problème, c'est que si vous demandez aux politiques de mettre plus de limites sur l'accès des gens aux réseaux sociaux, etc., on en arrive justement aux dictatures dont vous parlez. Tout à fait. Je ne pense pas du tout que c'est au pouvoir politique à mettre plus de limites. Par contre, je pense que c'est à lui à promouvoir la culture qui va permettre que les gens s'en mettent. Mais pour ça, de manière active. Alors, c'est ce qui se passe, il ne faut pas exagérer. La pression qui est faite sur les réseaux sociaux pour que présent certaines choses soient limitées, sur Instagram, même sur YouTube, heureusement. Mais je dirais, je pense que c'est plus aux citoyens qu'il y ait des mouvements de société, qui ne soient pas des mouvements de moralité. On n'est pas dans la préservation des mœurs, des sociétés de la vertu de l'Amérique du 19e siècle. Hein. Mais des mouvements de société qui disent, de la manière qu'on veut arrêter de mal manger, on veut arrêter d'être pollué à tous les niveaux de l'existence. Voilà. Donc je pense, mais ça, le boulot pour moi du politique, c'est de promouvoir ça. Et la première manière, c'est de mettre les vrais débats sur la table. Alors, ça commence d'avoir le courage. Pour moi, le politique, il doit avoir le courage de dire la difficulté des situations. L'espérance, elle commence par regarder dans les yeux le mal. Sinon, il n'y a pas d'espérance. C'est du foutage de gueule. Que si je ne regarde pas le mal en face, si je ne vois pas le défi en face, qu'est-ce que je peux proposer de réaliste ? Or, je pense que le politique doit avoir le courage de laisser apparaître, de favoriser les informations qui sont des informations réelles, qui vont aider l'ensemble d'une population à prendre conscience, même si c'est douloureusement, et à changer. Il y a dans notre pays, tout doucement, une mutation de culture.
on n'est encore que 8-10% dans ce pays à vouloir manger différemment, relier, enfin, développer des relations de solidarité avec ceux avec qui on vit, consommer moins d'écran. Enfin, il existe ce mouvement. Et ce n'est pas d'abord un mouvement moral, c'est un mouvement d'écologie intégrale de la personne humaine. Il n'est plus tout à fait à l'état utopique. Et il est en train de toucher des gens de tous les bords, de tous les milieux sociaux. Voilà. Moi, j'espère qu'il va atteindre un seuil critique et que ça fera partie de la régulation. C'est écologique de limiter l'accès des enfants de 5... Enfin, pour moi, vous voyez, préserver la possibilité... Parce que, c'est, vous savez, la pédophilie, c'est l'agression par une sexualité adulte d'un mineur et même d'un enfant de moins de 13 ans. Et l'image est considérée comme une agression aussi forte que le toucher ou le contact. Et donc, il est, de nouveau, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, laisser un enfant accéder à des images qui vont l'envahir au même titre qu'un acte pédophile physique, c'est une responsabilité morale grave. Bah déjà, il faudrait s'avouer, avoir les statistiques du nombre d'enfants qui, avant 7 ans, ont été confrontés d'une manière ou d'une autre à ces images. Quand vous avez les chiffres et que vous réfléchissez là-dessus, bah vous commencez à vous dire, oui, il ne s'agit pas de crier aux politiques à faire quelque chose, mais vous dites, on va devoir, nous, faire quelque chose. Bonsoir, moi j'aurais une question. Étant donné que nous, les jeunes, on est les adultes de demain et que nos enfants seront les adolescents de demain, est-ce que vous ne pensez pas que, étant donné que nous, on est en train de prendre conscience du risque qu'il y a, que nos enfants, justement, seront un peu épargnés de ce risque auquel ils sont confrontés ? Alors, vous avez raison. Si vous introduisez le débat entre vous, si vous êtes cash et que vous aidez, pardon, mais vos aînés à l'être un peu plus sur les risques que ça comporte pour chacun de nous, et que vous introduisez chez vos enfants, là-dessus, non pas une transparence, mais une vraie franchise. Vous voyez, j'allais presque dire une simplification dans l'aveu de ma fragilité, une banalisation du fait que c'est normal. Là où je suis fêlé, il n'y a pas un drame à en faire. Pourquoi j'aurais honte de l'endroit où je suis fêlé? Parce que c'est là où je vais avoir la chance d'avoir besoin des autres. Dans une famille, il y a plein de fêlures partout. C'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, c'est déjà plus simple. Quand tu vois des parents de 30 ans avec des enfants de 4 ans qui viennent expliquer à leur papa que quand même, il commence à être vraiment gonflant avec sa manière de faire et qu'il a quand même des grandes failles psychologiques qu'il faudrait qu'il soigne, j'exagère un peu, hein. Enfin, font presque ça les enfants de 4 ans, c'est salutaire. Que les fragilités humaines fassent partie de ce que l'on met dans la solidarité interrelationnelle. Quand elle est dans la confiance, hein, bien sûr. Voilà. Et donc j'espère, moi, de tout cœur, qu'effectivement... Vous voyez, pour vous donner un exemple, moi j'avais espéré, j'ai 56 ans, j'avais pensé que ma génération allait parler de la sexualité de manière décontractée, saine, en admettant nos limites, en abordant ça de manière simple, parce que le corps c'est une merveille de l'existence, mais rien du tout, rien du tout. On est aussi coincé que la génération d'avant, on se donne plein de libertés, mais on n'est même pas capable de les assumer, enfin c'est pas brillant quand même. On a délégué ça à l'éducation sexuelle à l'école, mais quelles sont les familles dans lesquelles on parle de ça de manière simple, cash, ouverte, saine et libératrice, bah pas des masses. Voilà, pour donner cet exemple. Moi, j'espère de tout cœur que vous allez vous y mettre. Ça va ensemble. Et derrière, l'enjeu, c'est la fragilité humaine. La grande richesse de l'homme, c'est qu'il est fragile, ce que ne sont pas les machines. C'est là-dedans qu'on est intéressant. Et donc, cette idée, vous voyez, de la force, de la puissance, de la maîtrise, de l'apparence, de l'image... Tout ça, c'est du faux. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'il devrait me faire rire de la manière dont ça fait des siècles qu'on joue le réseau social. L'honnête homme du 17e, qui s'identifie à son comportement public, que d'ailleurs Molière démolit à l'acide, bah, c'est les réseaux sociaux avant l'heure, non? Quand tu vois comment ils étaient habillés, pathétiques avec leurs perruques, c'est pathétique, c'est ridicule. Enfin, le roi était nu, quoi. Là, au moins, tu vois que c'est pathétique, t'en ris toi-même. Et donc, il y a une espèce de... Comment vous dire ça de plus grande vérité pratique. Enfin, il est possible qu'advienne une plus grande simplicité franchie sur la vérité pratique de nos failles, parce que c'est là-dedans, paradoxalement, que se construisent des choses les plus intéressantes dans nos vies, les uns grâce aux autres. Donc je pense qu'on change aussi de paradigme, de l'autosuffisance, de la personne vertueuse qui s'assume en cachant dans les placards tout ce qui ne va pas bien chez elle. Je te dis, aujourd'hui, un enfant de 5 ans, il a vite fait d'aller te faire sortir tous les placards dans lesquels tu as planqué tes défauts. Et de te renvoyer ce que tu lui inculques comme éducation en disant « Mais pourquoi tu n'appliques pas ce que tu es en train de nous demander de faire ?» Il faut dire « Bah oui. » Les parents commencent à demander pardon à leurs enfants, c'est une bonne nouvelle. Ça devrait exister depuis 2000 ans, normalement, en christianisme. Récent, comme invention. Bonsoir. Je voulais revenir sur les intelligences artificielles dont vous parliez au début de séance. Pourquoi, pour vous, on ne peut pas qualifier ça d'intelligence ?
Parce que c'est sûr, au niveau émotionnel, une machine ne pourra jamais égaler l'homme, puisque actuellement, la plupart des animaux en sont incapables. Mais au point de vue réellement raisonnement et intelligence, vous pensez pas que justement que ça peut être qualifié comme tel, puisque en soi, les calculs mathématiques qui sont réalisés, je pense notamment aux machines qui jouent aux échecs, on peut quand même qualifier ça d'intelligence, même si c'est mathématique. Alors, pourquoi c'est pas de l'intelligence ? Parce que, enfin là, je parle de l'intelligence au sens très précis, hein, tel que la pensée grecque l'a développée, notamment Aristote et Platon, et le Moyen-Âge aussi. L'intelligence, c'est quoi ? C'est ta capacité à faire tien la réalité de manière telle qu'elle enrichisse ton identité. Une machine, ça n'a pas d'identité. Et on ne pourra jamais modéliser une identité. La seule chose qu'on sait modéliser, c'est des comportements, pas des identités. Donc on sera toujours dans de la représentation d'humain. Et donc, si l'intelligence, c'est cette capacité à accueillir la réalité, à la comprendre dans ce qu'elle est, pas dans sa manière d'être, pas dans son fonctionnement et sûrement pas dans son apparence, dans ce qu'elle est. Quand tu cherches à savoir si tu peux faire confiance à quelqu'un, tu cherches à le connaître. Le moment où tu commences où il te semble que tu commences à percevoir ce qu'est l'autre, et que toi-même, tu laisses l'autre percevoir ce que tu es, et tu commences à identifier la possibilité de nouer une relation de confiance, elle est là, l'intelligence humaine. Ça, c'est même pas dans les champs du possible d'une machine. Ça ne veut rien dire. Voilà. Il n'y a même pas de conscience au sens animal du terme. Donc l'intelligence, je dirais, si on est rigoureux, laisse tomber. De limitation du raisonnement, oui, si je suis rigoureux. De limitation mathématisée, et en plus, la mathématique informatique, c'est le bas de gamme de la mathématique. Hein. Donc voilà. Et la mathématique, ce n'est pas la logique, et la logique, ce n'est pas la raison, et la raison, ce n'est pas l'intelligence. Donc pour moi, dans l'intelligence informatique, on est au bas de gamme du raisonnable. Donc on est très, 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 très loin de l'intelligence. Par contre, que j'arrive à avoir par ce qu'ils appellent le deep learning, c'est-à-dire tout simplement par le fait que l'algorithme, c'est-à-dire la répétition indéfinie des actes, finit par te créer une espèce de profil. Donc que tu arrives à imiter les comportements humains par répétition d'analyse comportementale de ces comportements, par analyse numérique de ces comportements, c'est tout à fait normal. Donc tu arriveras à faire magnifiquement semblant d'être humain pour quelqu'un qui a décidé de s'arrêter simplement à l'apparence comportementale de l'autre. Mais ça veut dire ne pas avoir d'intelligence, ne pas l'exercer. Alors on peut décider de vivre à la surface de soi et ne pas exercer son intelligence, c'est-à-dire ne jamais se demander qui c'est, qui tu es, qu'est-ce que c'est ça ? C'est ne vivre que dans le comment, d'avoir laissé tomber le pourquoi et le qu'est-ce que c'est. Ce en quoi, d'ailleurs, les enfants de moins de 5 ans restent nos maîtres, parce qu'ils n'ont pas encore la bêtise des adultes que nous sommes devenus ou en train de devenir, qui n'ont plus la simplicité de s'interroger sur qu'est-ce que c'est. Et qui pensons que nous avons réglé la question en mettant un nom ou un codage. Alors qu'un enfant sait très bien que tu as donné zéro réponse quand tu as donné un nom. Et qui s'acharne parce que l'intelligence chez lui est native, à te demander, mais qu'est-ce que c'est ? Voilà. La reconnaissance de forme, c'est très mignon. Ce n'est pas de l'identification de l'objet, au sens vivant du terme. Donc c'est pour ça que je pense que... Voilà, moi je suis un philosophe, et donc je pense que l'usage des mots est très précis, et que... Alors, on va laisser ce mot-là, parce que la vraie question, c'est quelle intelligence allons-nous développer de l'usage de ces assistants rationnels artificiels ? Oui, donc gardons le mot intelligence. Bonsoir. Vous parliez des réseaux sociaux qui ont été donc construits pour, dans le but, comme on l'a vu avec les professionnels qui ont travaillé dans le but de faire de nous des animaux. J'aimerais qu'on parle de la différence avec les autres addictions, comme l'alcool, la cigarette et la pornographie. Les réseaux sociaux, le problème avec, c'est qu'on ne peut pas avoir une auto-limitation brutale parce qu'ils ont une utilité aussi. Je prends l'exemple de votre conférence, je ne serais pas venu si je n'avais pas Facebook. Donc, comment est-ce qu'on peut se battre contre le caractère animal comment on peut se battre contre ce qui fait de nous des animaux avec ça, parce qu'on ne peut pas se battre de la même manière qu'on se bat face à l'alcool ou à la cigarette. Alors, la question est très bonne. Tu peux fumer la cigarette de manière raisonnable. Le tout, c'est que tu ne rentres pas dans la logique d'addiction. Je pense que l'exemple de Facebook est très bon. Facebook a sa cohérence interne. Tu n'es pas obligé... C'est bien que tu la comprennes. Mais tu n'es pas obligé de t'y soumettre pour t'en servir. Donc, t'en servir pour communiquer. Parce que Facebook, au début, je pense, est né aussi avec un objet de facilitation des relations. Et sous ce rapport-là, c'est très intelligent. Le tout, c'est que progressivement, on a développé toutes les potentialités associées à cette possibilité de mise en relation. Et c'est quand tu cherches à développer, à optimiser les potentialités, que tu te mets à putrier de savoir si c'est les bons ou les mauvais usages. Et tu dis, c'est l'usager qui choisira.
D'accord ? Quand en plus tu rends pour le coup les rangs, tu fidélises, c'est-à-dire qu'en gros tu rends les gens addicts à l'usage, bah aussi tu te gagnes un argent de fou quand même. Parce que si le brave Zuckerberg là, il avait dit OK, voilà ce que j'ai inventé, maintenant je le donne au public quoi. C'est assez simple. Dans le montage informatique, c'est assez simple. Et le but, c'est que chacun puisse avoir un endroit dans lequel il met tout un nombre de trucs stockés, d'images, de choses qu'il a envie de dire. Et c'est lui qui décide qui est-ce qui peut aller voir ce qu'il a mis là. C'est assez simple. Sous ce rapport-là, c'est très bien. Et donc, je dirais, la vraie question, c'est de se servir de Facebook comme ça. Donc, je pense qu'il faut... Ces outils sont dominables. Réinstrumentalisables. Puisqu'ils ont été conçus normalement comme des instruments. Et pour les instrumentaliser, il faut que je vérifie. Alors, après ça, il y a chacun de nous. Il y a des choses plus addictives pour l'un qui ne sont pas pour l'autre. Moi, par exemple, je sais que je travaille sur des écrans réduits, parce que je suis un hypervisuel, et si je travaille sur un ordinateur avec un écran comme ça, je serais capable de passer 3 heures en ayant un sentiment que ça fait 30 secondes que je suis devant l'écran. Voilà. Mais quelqu'un qui n'est pas un hypervisuel et qui est plutôt un auditif, voilà, aura moins de problèmes avec un écran. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre et puis à se situer chacun, quels sont les endroits où voilà, j'arrive à utiliser ça intelligemment, les endroits où j'arrive à utiliser ça de manière ludique, quels sont le type d'usage dans lequel je vois bien que moi-même, je ne suis plus tout à fait bien avec moi-même. Quoi. Une dernière question, Marie-Astrid ? Pardon, merci. Moi, je rebondissais sur la définition que vous faites de l'intelligence. Mmh. Et est-ce que, si j'ai bien compris votre... manière de penser, pour vous, l'intelligence est automatiquement liée au sentiment ? Non, ce n'est pas d'abord lié au sentiment. Parce que dans le regard d'un enfant, il n'y a pas d'abord du sentiment, il y a de la lumière. C'est lié à l'identité. L'intelligence, c'est la partie la plus radicale et profonde de « je ». Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'intelligence, c'est basiquement du raisonnement ? Non, précisément. La raison, ce n'est pas l'intelligence. La raison, c'est la manière laborieuse dont l'intelligence s'assouplit. C'est un exercice, comme les gammes. La raison est à l'intelligence ce que les gammes sont au jeu au moment du concert. Voilà. La raison, elle est précisément de m'approcher des choses quand je ne les comprends pas. C'est une manière d'approcher les choses. Mais la saisie des choses ne se fait pas par la raison. La raison, elle catégorifie. Les choses ne sont pas faites pour être catégorifiées à un moment donné. Elles sont trop singulières. Elles sont faites pour être touchées, atteintes, saisies. Voilà. Ça s'appelle l'intelligence. Quand, aps, j'ai pigé. Voilà. C'est ça qui rend la vie, c'est ça qui fait l'émerveillement, c'est ça qui fait l'interrogation, et c'est ça qui fait l'enrichissement le plus profond de ma compréhension de moi-même. Ça, une machine... Déjà, tu n'as pas l'émerveillement dans le regard d'un chien, mais alors dans une machine, tu peux toujours le regarder dans les yeux, là, le précieux, là. Ça n'existe pas. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est le cœur du cœur de nous. Oui, il y a l'élément émotif, mais je ne suis pas d'accord, parce que certains, notamment, vous verrez dans le numéro de Libération, ils disent c'est l'émotion, c'est la faiblesse. Non, ce n'est pas d'abord l'émotion, l'intelligence. Au contraire, c'est la partie la plus noble de moi. Et c'est très bizarre, dans le regard d'un enfant, 15 jours après sa naissance, il y a quelque chose de la même lumière que je vais retrouver dans la photographie de son regard quand il en a 70. C'est quoi ça ? C'est ça l'intelligence. C'est difficile à définir, sûrement pas raisonnabilisable, catégorifiable, et encore moins algorithmisable, donc laisse tomber. Je pense que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, frère Samuel. On était ravis de vous avoir ce soir.